Depuis des décennies, la préservation des espaces naturels est passée par une première étape de mise en place d'outils réglementaires forts, de type parcs nationaux, réserves naturelles, permettant d'assurer à long terme la préservation d'ensembles remarquables. La seconde étape, c'est de mettre en place une gestion efficace des habitats naturels et des espèces, faune et flore qu'ils abritent. Pour cela, le Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire s'appuie sur un réseau de 110 sites naturels, à peu près 3 700 hectares, dont 1 000 hectares en Indre-et-Loire, sur lesquels une gestion écologique adaptée est mise en place sur chaque habitat naturel ou espèce remarquable. L'objectif de la gestion d'un espace naturel, c'est de choisir parmi les différents états d'entretien possibles d'un site naturel, quel sera le plus favorable à la préservation de la biodiversité dans son ensemble, et essentiellement les espèces animales et végétales qui sont menacées de disparition en région Centre-Val de Loire, en France ou en Europe. Dans un premier temps, on se base sur l'aide de différents spécialistes scientifiques, des plantes, des insectes, des mammifères, des oiseaux, qui vont nous aider à mieux connaître le site naturel sur lequel on se trouve, de façon à avoir une meilleure vision des enjeux de préservation. Une fois qu'on a cette meilleure connaissance de base qui est essentielle, le plan de gestion, c'est l'outil qui nous permet de choisir les méthodes d'entretien, de restauration des habitats naturels. Il va être approuvé par le conseil scientifique du conservatoire, puis par le conseil d'administration. Et ce travail-là est ensuite présenté aux élus locaux, aux acteurs locaux, aux habitants des communes proches. Ici, à Bondésir, le plan de gestion rédigé par le conservatoire a préconisé pour ce site en bord de Loire un entretien de ces prairies alluviales. L'objectif à terme du conservatoire étant d'essayer de préserver une mosaïque d'habitats et pas seulement un habitat qui serait la forêt alluviale si on n'intervenait pas. Voilà pourquoi chaque année, des actions d'entretien par broyage sont prévues sur ces prairies. On a choisi d'utiliser un matériel plutôt adapté au milieu sensible, c'est-à-dire que c'est une faucheuse qui fauche et qui ramasse en un seul passage pour avoir un impact minimum sur le sol. Le site de la Frilière se situe sur le domaine public fluvial et donc propriété de l'État, mais l'État a délégué la gestion au conservatoire. Cette gestion nécessite un entretien mécanique sur les bras morts et annexes hydrauliques en bord de Loire. Donc pour ce faire, on scarifie les bancs de sable en enlevant toutes les jeunes pousses de végétation pour favoriser l'écoulement des eaux, notamment en cas de crue. Donc nous sommes ici sur l'Éperon Murat, sur la commune de Ferrières-Larçon, un site qui est la propriété du conseil départemental d'Indre-et-Loire, mais dont la gestion a été confiée au conservatoire. Le constat avait été fait que le milieu était en train de s'embroussailler, c'est-à-dire qu'il y avait des colonisations de genévriers. Des actions ont été menées en 2015 pour la restauration, dans le but de favoriser les milieux ouverts et d'avoir l'espoir de voir revenir des espèces inféodées à ces milieux ouverts qui sont patrimoniales tant à l'échelle régionale que nationale, telles que par exemple les orchidées sauvages ou un grand cortège d'insectes. Sur les pelouses sèches qui sont présentes sur l'Éperon Murat, la manière la plus écologique de conserver des milieux ouverts comme ceci, c'est bien évidemment de mettre en place du pâturage et du pâturage de moutons. C'est de la bonne nourriture pour les animaux. Ça permet en plus à un agriculteur local, on lui fournit des terres pour qu'il puisse justement s'épanouir dans son activité. C'est un plan de pâturage raisonné, donc c'est-à-dire un pâturage extensif, est complètement compatible avec la préservation des espèces patrimoniales qu'on a vues plus haut. Le mouton est un très très bon outil qui peut être utilisé dans un plan de gestion, de façon à essayer d'obtenir un peu le site idéal que tout gestionnaire d'espace naturel souhaiterait avoir, c'est-à-dire un site qui peut à la fois participer à l'économie locale, être mis à disposition d'un éleveur ou de plusieurs éleveurs locaux, et également favoriser la découverte de la nature, la redécouverte de la nature par le public et les scolaires, et également servir de support à l'étude de la biodiversité, comment mieux la préserver pour les générations à venir.